Buenos días. En la recta final del Congreso tengo el honor de presentar al profesor Lipovetsky. Del profesor Lipovetsky, Vicente Verdú, que ayer estuvo aquí con nosotros, que estuvo teniendo una intervención y que ustedes ya lo pudieron oír, no es alguien especialmente benévolo, dijo que el profesor Lipovetsky es una de las estrellas de los analistas de la modernidad, de la posmodernidad, lo cual, viniendo de Vicente Verdú, no deja de ser un halago importante. Utilizando recursos posmodernos, es decir, utilizando concretamente algo tan simple como la Wikipedia, la enciclopedia de Internet, autogestionada, rápida, inmediata, con muchas características de la posmodernidad, diríamos que el profesor Lipovetsky es sociólogo, nació en París, es prácticamente de mi edad, que es una edad todavía muy digna, es profesor agregado de filosofía en la Universidad de Grenoble, es miembro del Consejo Asesor del Análisis de la Sociedad y tiene una serie de obras muy conocidas entre nosotros, quizás entre las más conocidas, La era del vacío, El imperio de lo efímero, El crepúsculo del deber, La tercera mujer, El lujo eterno, Los tiempos hipermodernos y, que yo tenga conocimiento, la última que se ha traducido, que es la de la felicidad paradójica. Son obras que, más allá de pertenecer ya al acervo cultural de la actualidad, de ser obras muy conocidas, son obras en las que también, según dice Wikipedia, aparecen como temas recurrentes el individualismo contemporáneo, la cultura de masas, el hedonismo, la moda y lo efímero, los mass media, el culto al ocio, la cultura como mercancía, el ecologismo como disfraz o como pose social y, fundamentalmente, el consumo. Consumo del que a propósito de su última libro, de su última obra, la Sophie Peters dice: lejos de ser la fuente de nuestros males, la sociedad de consumo sería más bien la consecuencia de nuestras decepciones. Somos cada día más felices y tenemos todo lo que necesitamos, pero cada vez estamos menos satisfechos de nuestras vidas. No se trata de culpar a priori y de todo a la sociedad de consumo, sino de intentar analizar aquello que aparece como contradictorio. El análisis de lo contradictorio es una de las características fundamentales de los compromisos intelectuales del profesor Lipovetsky y de todo eso, o de eso, va a hablar en relación con su intervención de hoy, que versará concretamente sobre ética y ciudadanía en eso, en una sociedad hiperconsumista. Profesor, tiene la palabra. Merci beaucoup de votre... Pardon, querría avisar, el profesor va a hablar, va a tener una intervención de una hora. Si hay tiempo, podrá haber alguna pregunta y si no, en cualquier caso, es preferible, hemos entendido que es preferible apurar al máximo la oportunidad de escucharle. Merci de votre présentation et merci de votre présence. En effet, je voudrais essayer de montrer ce matin comment finalement la société de consommation et maintenant d'hyperconsommation a transformé non seulement nos modes de vie, mais notre vie morale, nos idéaux. La société d'hyperconsommation, c'est celle qui voit le marché pénétrer toute la quotidienneté. C'est la société dans laquelle on voit les marques, la marchandise, qui colonise de plus en plus notre vie, notre temps, nos expériences vécues. Ce formidable essor de la consommation a eu un effet considérable sur
nos repères, nos idéaux, nos valeurs qui organisent notre vie. La société de consommation, en effet, a propagé l'idéal hédoniste, c'est-à-dire une culture du plaisir, du bien-être, des loisirs, de la distraction, de l'évasion. L'hédonisme n'est pas une valeur nouvelle. Déjà Épicure centrait toute sa philosophie à partir de l'hédonisme. Mais ce qui est nouveau depuis, en gros, 1950, c'est que c'est toute une civilisation qui ne cesse de stimuler, d'exalter au quotidien les valeurs de réjouissance, de consommation, de plaisir, de sexualité, etc. Donc ce n'est plus simplement une morale, c'est le fonctionnement tout entier d'une société. Il en résulte ce que j'ai appelé la seconde révolution individualiste, un individualisme nouveau, centré sur le divertissement, le corps, la recherche du bien-être privé, la quête du bonheur individualiste. Alors, les grands idéaux collectifs s'éclipsent et le moi s'impose comme le seul grand point fixe de la vie. La foi en soi-même a remplacé la foi dans la nation, dans l'histoire, dans le prolétariat, dans l'Église. J'ai proposé d'appeler ce nouveau contexte hyper-individualiste la société post-moraliste. Société post-moraliste, ça ne veut pas dire post-morale. Il faut bien faire attention à ça. Société post-moraliste, ça veut dire une société qui stimule davantage les désirs, le moi, le bonheur, le bien-être, que l'idéal d'abnégation ou de sacrifice. Notre culture quotidienne n'est plus dominée par les grands impératifs du devoir, difficile, sacrificiel, maximaliste, comme c'était encore le cas en 1900. Notre culture, elle est dominée au contraire par le bonheur, la consommation, les loisirs, les droits individuels. C'est ça l'époque post-moraliste. Une société, autrement dit, qui a cessé d'exalter les commandements difficiles, absolutistes, qui appelaient les gens à mourir, à se sacrifier pour des grandes causes. Alors, quelques exemples. Le suicide, par exemple, n'est plus considéré comme un manquement à une obligation morale. Ce n'est plus qu'un drame, un drame psychologique pour les gens et pour leur environnement. L'euthanasie volontaire tend de plus en plus aujourd'hui à apparaître comme un droit des individus, le droit de mourir dans la dignité. Et aux Pays-Bas, par exemple, c'est déjà devenu une pratique légale. Autrement dit, ce qui est autrefois un devoir est devenu un droit. La sexualité s'est détachée de ses liens avec la morale. La sexualité, c'est désormais une valeur en elle-même, en tant qu'elle est un instrument du bonheur et de l'équilibre individuel. Il n'y a plus de devoir en matière de sexualité. Plus personne prône la chasteté, la virginité. Les gens font ce qu'ils veulent. Ce n'est plus une question de devoir. Les gens peuvent vivre sur ce plan comme ils l'entendent. Évidemment, ce basculement des devoirs vers les droits trouve une expression vraiment très grande dans le domaine de la morale sociale ou collective. On n'appelle plus en effet les individus à mourir pour la patrie. Il faut quand même se rappeler qu'il y a un siècle, à l'école, dans les manuels, les instituteurs appelaient les enfants à vivre pour autre chose qu'eux-mêmes.
Il fallait vivre pour la patrie, la mère patrie. Et on devait apprendre à mourir pour la patrie. Le dévouement à la patrie a cessé d'être une valeur enseignée. Et de même, il n'y a plus beaucoup d'idéaux révolutionnaires dans les pays riches. Plus personne veut se sacrifier pour la société sans classe, mourir pour le communisme. Il y en a déjà eu 90 millions, alors ça suffit comme ça. L'époque post-moraliste coïncide alors avec l'éclipse des morales collectives sacrificielles qui ont fait du XXe siècle un siècle terrible, un siècle sacrificiel, alors qu'il était un siècle laïque. On peut donc constater que le culte du devoir sacrificiel n'est plus nulle part exalté, mais le plus intéressant, c'est qu'en même temps, les droits de l'homme, la solidarité, la téléassistance n'ont jamais eu autant de succès et de surface sociale. C'est apparu à peu près dans les années 80, peut-être vous vous en rappelez, avec les grandes opérations médiatiques, Bob Geldof, qui lançait Bandhead avec les concerts rock pour venir en aide aux affamés, aux gens qui mouraient de faim en Afrique. Et de plus en plus maintenant, dès qu'il y a des catastrophes, il y a des grands appels à la solidarité dans nos pays riches pour lutter contre le sida, contre les désastres, contre les tremblements de terre, contre les maladies génétiques. Mais en même temps, tout ça se fait dans une ambiance rock, star, spectacle. Autrefois, la morale, c'était quelque chose de sévère, de strict, de catégorique. C'était le catéchisme des devoirs, les sermons du prêtre le dimanche à l'église qui culpabilisaient les gens de ne pas vivre en bon chrétien. Et les instituteurs de l'âge laïque écrivaient la leçon de morale tous les matins sur le tableau noir pour les petits-enfants. Aujourd'hui, la morale, la solidarité se combinent, se mélangent avec la fête, le rock, les courses de jogging, les stars. On ne culpabilise plus les individus, on les anime. On les anime dans des kermesses de bienfaisance. Et surtout, la morale classique était synonyme de sermons réguliers, disciplinaires. Au lieu de cela, nous avons maintenant des coups de cœur, des opérations médiatiques essentiellement ponctuelles, circonstancielles, émotionnelles. Ce qui relevait autrefois de principes internes dépend à présent des médias, des priorités des médias. Ce sont les médias qui fixent les priorités, qui orchestrent la générosité des citoyens et qui réussissent à les mobiliser de temps en temps, mais de manière extrêmement diverse. C'est là la nouveauté de l'époque post-moraliste. Il n'y a plus, si vous voulez, une conscience régulière, difficile, intériorisée du devoir. Nous avons plutôt ce que le philosophe Jean-Marie Guyot appelait au siècle dernier une morale sans obligation ni sanction. Une morale sans obligation ni sanction. C'est-à-dire une morale à la carte, émotionnelle, intermittente, qui se manifeste souvent quand il y a des grands désastres. Le tsunami, par exemple. Ah, les gens se mobilisent, puis après, ils s'en occupent plus. Mais alors, la générosité de masse contemporaine n'est pas du tout incompatible ou contradictoire avec l'essor de l'individualisme. Parce qu'au plus profond, ce que nous voyons monter,
c'est une morale light, une morale indolore. Et c'est ça, évidemment, qui est la caractéristique de notre époque. Disparition des morales sacrificielles et surgissement d'une morale indolore. Cette montée d'une morale indolore suscite, comme chacun le sait, beaucoup d'inquiétudes. Inquiétudes relatives aux politiques, à la citoyenneté, au militantisme. C'est ainsi que dans le monde du travail, par exemple, on assiste à une rétraction de l'idéal de solidarité. La solidarité, alors, n'est plus que du corporatisme. Chacun défend son intérêt, même plus l'intérêt de la classe ouvrière. Parce que la classe ouvrière, elle s'identifiait avec le bonheur ou la libération du genre humain. Mais là, on défend son intérêt, ses intérêts de type catégoriel, comme si l'universalisme disparaissait. Ensuite, nous n'avons plus de grands systèmes visionnaires. C'est ça la caractéristique de la société hypermoderne. Nous n'avons plus d'utopie collective, d'idéologie politique capable de faire rêver, de donner l'espoir d'un monde meilleur. Aux grandes utopies porteuses d'espoir de changement, s'est substitué le scepticisme, le discrédit, la perte de confiance envers le politique, liée à la faillite des idéologies. Dans ces conditions, c'est évidemment une citoyenneté problématique qui apparaît. L'abstentionnisme se développe partout depuis 20 ans, dans tous les pays développés. Les citoyens, en grand nombre, disent qu'ils ne s'intéressent pas à la politique, ça ne les intéresse pas. Ils ne croient plus dans la politique. Ils se désintéressent des options politiques. L'affrontement droite-gauche, elle subsiste. Il subsiste, mais cet affrontement a perdu de sa radicalité antérieure. Les repères sont moins clairs. Les campagnes électorales ne suscitent plus de grandes passions collectives. Ce qui se traduit par une mobilité plus grande des citoyens, une adhésion moins solide, une identification moins forte aux familles politiques, une liberté plus grande des citoyens vis-à-vis des consignes et des disciplines des partis. Désormais, les électeurs se montrent de plus en plus hésitants, de moins en moins sûrs de leur choix définitif. Il y a beaucoup d'électeurs maintenant qui disent à 15 jours, 3 semaines des élections, « Oh ben je ne sais pas encore pour qui je vais voter. » Donc, autrement dit, l'adhésion idéologique s'est devenue beaucoup plus faible. Et puis, entre deux tours d'élection, ils changent de position. Tout se passe comme si le politique était gagné par la logique du libre-service individualiste, par la logique de la consommation, de l'autonomie, de la fluidité. Inquiétude également relative à la question du lien national. Vous êtes bien placé en Espagne pour le savoir. Là aussi, on assiste à une rétraction de l'idéal de solidarité. Dans la foulée de la dissolution des grandes idéologies, on voit apparaître des revendications particularistes. En Belgique, en Italie du Nord, les Corses, les Basques, les Québécois, des revendications en rupture avec les revendications universalistes d'autrefois, de la modernité. La modernité était universaliste, l'hypermodernité, elle a une tendance à nous rétrécir sur les intérêts beaucoup plus nationalistes. Avec ce réveil des identités collectives, l'idéal de solidarité recule. Chacun défend ses intérêts propres, parfois au détriment des autres,
C'est ce qu'on voit très bien avec les Flamands aujourd'hui en Belgique, par exemple, qui veulent se séparer des Français parce qu'ils ne parlent pas la même langue, parce qu'ils sont un peu plus riches que la partie de la Belgique de langue française. Donc dans un tout petit pays, on voit encore un tout petit pays et des minorités qui se rétractent sur elles-mêmes. C'est l'écho de l'individualisme, évidemment. Inquiétude morale également. Lorsqu'on demande aux Français de citer les valeurs qui comptent le plus, la solidarité ne vient qu'en 11e rang. Loin derrière la politesse, les bonnes manières, l'honnêteté. Seuls 20% des Français citent la solidarité comme une valeur importante. L'éducation que l'on donne aux enfants se ramène de plus en plus à les préparer à une vie professionnelle, à la réussite matérielle. Il est donc peu contestable qu'une des pentes de l'idéologie individualiste libérale et de l'hyperconsumérisme conduit au recul des solidarités, au moi d'abord, au culte parfois effréné du marché. Mais tout le problème, c'est est-ce que ça va, ce mouvement, jusqu'à la ruine de toutes les valeurs? Est-ce que tout ce que je viens de dire, hyperlibéralisme, hyperconsumérisme, hyperindividualisme, est-ce que ça veut dire que tout est perdu? Est-ce qu'on est au degré zéro de la morale et de la citoyenneté? C'est la lecture pessimiste que l'on peut faire, ce n'est pas la mienne. Je vous proposerai une lecture plus complexe, plus paradoxale, comme vous avez dit tout à l'heure, sur ce point, à partir de 4 remarques. Première remarque. Notre contexte permet d'établir une image moins stéréotypée de l'individualisme que l'on associe trop souvent à l'égoïsme. Dans une tradition catholique, et le pape encore aujourd'hui, dit que l'individualisme, c'est l'égoïsme. C'est la même chose. Chacun pense à lui-même, il se désintéresse des autres. Bon, vous voyez, l'égoïsme, l'égocentrisme, c'est ça l'individualisme. Mais les choses sont quand même très compliquées. C'est plus compliqué que ça. Car si l'individualisme signifiait la seule passion de l'argent, le seul égoïsme, alors comment expliquer que les citoyens puissent encore s'indigner face à des tas de choses et faire acte de générosité? Ce n'est pas vrai que le monde néo-individualiste est équivalent à la déchéance de toutes les valeurs. On nous dit qu'il n'y a plus de valeurs. Tout disparaît. Mais, en même temps, il n'y a jamais eu autant de protection des droits de la personne, des organisations antiracistes qui n'existaient pas comme telles avant la guerre. Il n'y a jamais eu autant de soucis des enfants. Voyez l'ampleur qu'a pris la question de la pédophilie et de l'horreur que suscite la pédophilie. Le culte du présent domine, mais il n'y a jamais eu autant de soucis pour les générations futures, avec la préoccupation écologiste. En dépit de la culture néo-individualiste, les individus expriment toujours leur indignation devant ce qui leur paraît scandaleux. L'indignation morale n'a pas disparu. Et les mobilisations contre ce qui nous paraît injuste non plus. Regardez comment, en Espagne, les gens sont descendus dans la rue lorsque le gouvernement s'est mobilisé, s'est engagé dans la guerre pour l'Irak. C'est vrai que la culture du sacrifice et du dévouement est disqualifiée, mais en même temps, l'individualisme ne signifie pas disparition de l'esprit
de responsabilité et de solidarité. Regardez combien le phénomène du tsunami a enclenché des réflexes de solidarité. Je ne dis pas que c'est une grande morale. Bien sûr que c'est une morale indolore. Mais en même temps, ça veut dire que l'on n'est pas insensible à ce qui se passe dans le monde. Et qu'il y a, toujours un sens moral. Également, autre phénomène très, très stimulant pour la réflexion, le phénomène du bénévolat. Alors que les valeurs individualistes se déploient, il n'y a jamais eu autant de bénévoles. En France, il y a 12 millions de bénévoles. En 10 ans, les associations comptent 20% de plus de bénévoles. Comment expliquer les 12 millions de bénévoles si l'individualisme signifie le pur égoïsme? Comment l'expliquer? Il y a un problème là. Normalement, tout le monde devrait être enfermé chez soi, en train de regarder la télé, écouter son iPod, et puis sans aucun intérêt pour ce qui se passe pour les autres. C'est pas exactement ça qu'on voit. Il y a des bénévoles, il y a des associations qui sont en très grand nombre. Il y a 400 ONG en France, 4000 ONG en Europe. Comment ça se fait? Si tout le monde est un individualiste au sens de la rétraction sur le soi. Il y a donc une relecture à faire de l'individualisme qui n'est pas synonyme, encore une fois, de pur et simple cynisme. Deuxième remarque. Il ne faut pas exagérer la tendance qui serait la nôtre au relativisme moral, au scepticisme moral. On nous dit que les gens n'ont plus du tout d'idée de ce que c'est que la morale. Le bien, le mal, on ne sait plus ce que ça veut dire. Je crois que c'est une vision qu'il faut corriger. J'insiste sur ce point. Il y a de plus en plus, c'est vrai, une pluralité de morale, une diversification des conceptions du bien, c'est-à-dire une individualisation de la morale. Par exemple, l'avortement, l'euthanasie, l'adoption des enfants par les homosexuels, la peine de mort, le port du voile islamique, la libéralisation de la drogue, les mères porteuses, le clonage. Sur tous ces exemples, les citoyens ne sont pas d'accord. Et il y a des gens qui sont d'accord et d'autres qui ne le sont pas. Il y a alors, comme disait Max Weber, une sorte de polythéisme des valeurs, des conceptions morales très différentes. Des gens qui disent l'avortement c'est horrible, et disent mais non, c'est le droit de la femme de disposer d'eux-mêmes, d'elle-même, etc., etc. Et puis l'euthanasie c'est très bien, il faut mourir dans la dignité, et d'autres disent mais non, c'est un crime. Mais le point sur lequel je veux insister, c'est que cette diversification des morales ne signifie pas relativisme total. Car toutes ces différences dissimulent en fait des valeurs communes qui n'ont pas disparu. La cruauté, la torture, la dictature, l'esclavage, la pédophilie, l'infériorité de la femme, tout cela, dans nos sociétés, est universellement condamné. Qui aujourd'hui légitime l'esclavage des enfants et des femmes? Qui légitime l'excision sexuelle des petites Africaines? Qui justifie la destruction terroriste des tours du World Trade Center le 11 septembre? Tout cela montre que tous les repères moraux
ne sont pas évanouis et que nos sociétés ne cessent de réaffirmer un noyau stable de valeurs partagées. La conclusion, selon moi, c'est que le citoyen n'est pas au degré zéro de la morale. Cela, c'est un mythe. Et ce qu'on présente comme crise de la morale signifie d'abord que les questions morales n'ont plus maintenant de solution une fois pour toutes. Autrement dit, dans les sociétés hypermodernes, le juste et l'injuste, le bien et le mal sont en débat. Ça ne l'était pas autrefois, car c'était l'Église qui fixait la conception du bien et du mal. Ce n'était pas une morale démocratique. Nous entrons dans l'âge démocratique de l'éthique, c'est-à-dire que là aussi, ce sont les hommes qui doivent fixer leur loi morale, ce qu'ils jugent comme étant le bien et le mal. Autrement dit, sur ce plan-là, je pense qu'il y a moins de crises que dans l'entre-deux-guerres, où les fondements de la démocratie ont volé en éclats. Nous voyons au contraire, dans nos sociétés, que les fondements démocratiques sont beaucoup plus solides qu'autrefois. À présent, la tolérance figure parmi les premières valeurs que l'on souhaite voir inculquer aux enfants. Un Européen sur deux cite la tolérance dans les cinq vertus considérées comme primordiales. La tolérance est devenue une valeur largement revendiquée, même si, évidemment, il y a de nombreux points noirs qui viennent ternir cette image tolérante. Les partis d'extrême droite reviennent dans le paysage politique, des tombes juives sont profanées, il y a des attaques contre des foyers d'immigrés ou contre des minorités d'immigrés. Tout cela est très grave, mais ça ne doit pas conduire, selon moi, à occulter le progrès des valeurs humanistes. Tout indique en effet que les partis d'extrême droite vont rester des formations marginales et protestataires, incapables de détruire nos démocraties. Il y en aura à l'avenir, hélas. Il y aura du terrorisme au XXIe siècle. J'en suis convaincu, parce que l'individualisme déstabilise les repères et crée de l'anxiété, et donc des besoins de groupes très forts sur leur conviction, en tout cas qui veulent y croire. Donc nous allons affronter à nouveau de telles menaces. Mais je pense que, dans le même temps, les masses démocratiques sont beaucoup plus sereines, beaucoup plus convaincues de la légitimité de la démocratie. Et sur ce plan-là, bien entendu, notre culture n'appelle plus les citoyens à mourir pour la nation ou pour la République. Mais en même temps, la démocratie n'a jamais bénéficié d'un consensus aussi général, d'une force aussi grande. Voilà un des grands paradoxes de la société contemporaine. Troisième remarque. C'est vrai qu'en Amérique, l'État-providence est de plus en plus démantelé. On voit la paupérisation des services publics, l'effondrement des équipements collectifs, les coupes dans les dépenses sociales envers les plus démunis. Et en Europe, nombreux sont ceux qui pensent réduire la protection sociale pour diminuer les charges des entreprises. Mais en même temps, est-ce que ça veut dire que nous n'avons plus aucune idée alors de la solidarité?
Est-ce que la solidarité est une idée caduque? C'est plus compliqué. Quand on voit, par exemple, le rapport à l'écologie, à la multiplication des associations pour la défense de la nature et du souci des générations futures, c'est vrai que ce que nous voyons avec le réchauffement climatique n'invite pas à un optimisme débridé. Je suis d'accord. Les exigences du présent et du marché l'ont emporté sur les exigences de l'avenir. C'est vrai. Mais en même temps, les gens le dénoncent. Ce qui veut dire que l'idée de solidarité envers les générations futures n'est pas morte. Elle se cherche. Quatrième remarque. L'essor de l'hyper-individualisme est souvent assimilé au strict matérialisme et à la passivité des citoyens. On appelle ça, depuis Guy Debord, la société du spectacle, c'est-à-dire la société de la passivité consommatoire. Pourtant, il y a quelque chose qui change. Les nouveaux moyens de communication, Internet, ont rendu possible de nouvelles formes de prise de parole des individus et des citoyens, qui se concrétisent dans les blogs, les forums de discussion, le courrier électronique. On assiste à une demande croissante des citoyens d'être acteurs, de s'exprimer, de participer sur un peu tout. Ce qui montre, entre autres, que l'individualisme n'est pas synonyme de dépolitisation totale, de désintérêt envers la chose publique. C'est variable, voilà la vérité. Il y a des grands événements qui ne suscitent aucun intérêt de la part des citoyens. Et alors, ils ne votent pas, ils ne s'y intéressent pas. Et pourtant, nous avons eu en France, par exemple, dans leurs dernières élections, 80% des Français qui ont voté. Autrement dit, ça dépend. Il n'y a pas, dans l'individualisme, quelque chose qui, génétiquement, empêcherait les citoyens de se mobiliser. Ils sont un peu devenus comme les consommateurs. Ils veulent qu'ils se sentent concernés par le débat, par ce qu'on leur présente. Et c'est la responsabilité des hommes politiques de savoir mobiliser les citoyens. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, oh, alors, il n'y a plus que des consommateurs, ils regardent la télévision, ils partent en vacances, et ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas vrai. Si on sait présenter les choses, ils s'y intéressent. Et je pense aussi qu'il y a un phénomène de fond qui est l'élévation du niveau culturel, scolaire des citoyens. Il y a infiniment plus de gens désormais qui vont à l'université. Et du coup, ils ont moins envie d'avoir des guides qui leur disent « Voilà, c'est ça le bien, c'est ça le juste. Les capitalistes, c'est les méchants. Les bons, c'est ceux-là. » C'était le propre d'une culture disciplinaire avec une éducation finalement limitée. Aujourd'hui, les individus ont eu de nombreuses années de formation et ils pensent, peut-être à tort, mais ils pensent qu'ils ont le droit et qu'ils ont les capacités de comprendre ce qui se passe. Et ils veulent le dire et ils veulent s'exprimer. Dans tous les domaines, ce qui domine, c'est le sentiment d'être informé, de pouvoir argumenter. Et c'est pour ça que les gens écrivent sur les blogs, sur Internet. Ils disent ce qu'ils pensent, pas seulement des partis politiques, mais des marques, des restaurants, de toutes choses. Les gens s'expriment, ils veulent écouter ce que les autres disent, ils veulent communiquer. Et chacun pense qu'il a les moyens intellectuels et culturels de juger. C'est sans doute faux. Et il y a un risque à ça.
c'est le risque de la disparition des médiations. Parce que s'il n'y a plus que les citoyens et puis un médium, ce n'est pas une bonne chose. La presse a un rôle capital, parce qu'elle sélectionne, elle donne quand même un certain nombre de repères. Mais quand même, nous voyons un changement dans le fonctionnement de la démocratie. La démocratie ponctuelle de jadis, c'est-à-dire une démocratie ponctuée par les élections. On vote tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 6 ans, et puis après on ne fait plus rien. C'est ça qui disparaît. On voit maintenant monter une sorte de démocratie permanente, une doxocratie, c'est-à-dire une démocratie de l'opinion. L'idée d'un citoyen passif qui se replie toujours plus sur sa sphère privée est impensif. C'est une idée reçue. Ce n'est pas vrai. Les individus vont de plus en plus s'exprimer sur les choses publiques. Ce qui se construit à travers Internet, c'est une sorte de démocratie directe, d'intervention plus directe des citoyens sous la forme d'une démocratie d'expression et une démocratie de surveillance des pouvoirs. Aujourd'hui, on ne croit plus, on a une méfiance vis-à-vis des institutions. Et donc, les individus veulent s'exprimer à ce sujet. Les partis, les médias, les journalistes, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et les gens veulent s'exprimer. Ça pose des problèmes, mais c'est quand même, ça traduit l'idée que l'individualisme, ce n'est pas nécessairement la passivité. Alors, si maintenant on tire toutes les conséquences de ces analyses, on peut dire ceci. D'un côté, il y a une pente dangereuse de l'individualisme qui conduit au chacun pour soi, à la négation des valeurs morales, à la délinquance, à la corruption, à la criminalité, aux inégalités extrêmes de nos sociétés. Tous ces phénomènes révèlent ce que j'ai appelé un individualisme irresponsable. Ce qui est au fond qui signifie après tout le « après moi le déluge », chacun pour soi. Il n'y a plus que mes droits qui comptent, et cela au détriment du droit des autres. Mais il y a une autre pente de l'individualisme, et qui coïncide avec une demande, un souci éthique, et c'est ce que j'ai appelé un individualisme responsable. Et j'en ai donné de nombreux exemples ce matin. Tolérance, écologie, respect des enfants, bénévolat, lutte contre la corruption, lutte contre les injustices sociales. Il y a un individualisme responsable. L'individualisme dans les sociétés post-sacrificielles se développe en prenant deux formes opposées. Plus de recherche de limites à fixer à la liberté de chacun, et ça, c'est l'individualisme responsable. L'individualisme responsable veut des limites aux droits des individus. Mais aussi, d'un autre côté, plus de négation du droit des autres. Il n'y a que moi, que mes droits. Et c'est ça l'individualisme irresponsable. Dans ce contexte, ce qui fait sens aujourd'hui, ce ne sont plus les grands projets et les grands idéaux sacrificiels. Ce qui peut faire sens aujourd'hui dans nos démocraties, c'est le progrès de la responsabilisation humaine et qui se traduit en particulier par le recul de l'individualisme irresponsable. Faire gagner l'individualisme responsable, faire reculer
l'individualisme irresponsable. Voilà le but, le sens que chacun d'entre nous, citoyens, parents, enseignants, chefs d'entreprise, peut se fixer et reconnaître. Mais je voudrais préciser que si l'éthique, les valeurs éthiques, l'enseignement éthique est nécessaire pour faire progresser l'individualisme responsable, j'insiste pour dire que cela n'est pas suffisant. Ne croyons pas que l'éducation morale est la solution de nos maux. C'est pas ça qui fera reculer le mal et les injustices sur Terre. On voit très vite les limites de l'action humanitaire qui n'arrête pas les massacres et qui souvent sert d'alibi à l'impuissance politique. On voit les limites des chartes d'éthique dans les entreprises qui n'empêchent pas les vagues de licenciements, les fraudes, la corruption, les irrégularités comptables. Je pense à l'affaire Enron, dans des sociétés où on met en avant les grandes chartes éthiques. Ça n'empêche pas les malversations les plus fondamentales. On voit aussi les limites des protestations écologiques. Bien sûr, c'est nécessaire, mais il ne faut pas rêver. Rien ne se fera sans les progrès de la science et des techniques. On condamne la technique parce qu'elle détruit la nature. Mais seule la technique, avec des technologies propres, permettra de mieux respecter l'environnement. Ce n'est pas les seules déclarations vertueuses qui feront changer le monde. C'est l'intelligence au service de la science et qui permettra de donner de vrais moyens aux hommes de corriger ce qui ne va pas. On voit les limites aussi de nos grandes déclarations vertuistes contre la drogue. Et ces grandes déclarations vertuistes, elles ne règlent rien, au contraire. Alors, c'est vrai que la politique et l'économique sans la morale peut ressembler à l'enfer. Mais la morale sans l'intelligence politique, économique, technicienne est infirme. La morale pure est impuissante à résoudre les réels problèmes. Ce n'est pas avec de belles déclarations de générosité qu'on ira vers plus de justice et plus d'humanité. Et cela parce que l'individu contemporain, il n'est pas plus immoral qu'autrefois. Il n'est pas plus mauvais qu'autrefois. Ce sont des idées fausses. Ce n'est pas là le mal. Il va falloir, pour faire reculer l'individualisme irresponsable, mobiliser les intelligences, former et qualifier les hommes, réguler le marché et la mondialisation, inventer des dispositifs plus favorables aux pays en développement. Il va falloir inventer de nouveaux dispositifs de solidarité. L'individualisme ne doit pas conduire au discrédit de l'action publique, mais à sa redéfinition. Il faut donc éviter, je crois, d'opposer systématiquement individualisme et solidarité. Dans le monde libéral qui est le nôtre, il n'y aura pas de progrès dans la solidarité si on n'a pas un progrès dans la compétitivité économique, c'est-à-dire fondée sur l'individualisme. Il nous faut donc
réinventer la solidarité, pas la solidarité à l'ancienne, mais une solidarité compatible avec l'initiative des individus et non pas avec leur passivité. Il nous faudra donc, d'une certaine manière, une nouvelle solidarité, mais qui ne vient pas contredire la dynamique de l'individualisme. Ce n'est pas contradictoire. C'est une exigence éthique et également une exigence sociétale. Si on ne veut pas que nos démocraties se ghettoïsent et deviennent des sociétés où règne la guerre de chacun contre tous. C'est vrai que la logique de l'individualisme compétitif peut conduire au modèle anglo-saxon du capitalisme, au libéralisme dur. Ce modèle-là, les Européens, nous n'en voulons pas. Mais ce modèle-là n'est pas inéluctable. Il n'y a pas qu'un seul modèle du capitalisme. Le capitalisme de demain, il est à inventer. Je ne sais pas s'il sera possible, mais il est à inventer. Nulle loi inéluctable ne conduit vers la destruction des dispositifs collectifs de solidarité. Bien sûr, il y a une pente qui va dans ce sens-là. Mais nous devons essayer de trouver de nouvelles manières de penser la solidarité, mais compatibles avec la dynamique individualiste. C'est une affaire de volonté sociétale. C'est une option de société. L'individualisme n'est pas diabolique. Encore une fois, il n'est pas synonyme d'égoïsme, mais de valorisation de l'autonomie individuelle, de la liberté des individus. Cette réconciliation entre individualisme et justice sociale devrait être notre grand objectif à nous, Européens. Si l'Union européenne veut affirmer son identité, c'est d'abord en affirmant précisément son engagement dans la quête de la solidarité sociale, une solidarité sociale qui doit être compatible avec des économies performantes. Je vous remercie. Muy bien, muchas gracias, profesor Lipovetsky. Hay algunas preguntas. Una primera pregunta, son preguntas de distinto signo y entonces voy a enumerarlas una a una por el orden que han llegado. ¿En qué medida considera que los valores occidentales conquistados ocasionalmente con muchos esfuerzos y sacrificios colectivos, esos valores occidentales, están en riesgo por la presencia, por la necesaria convivencia con valores de otras civilizaciones que resultan ocasionalmente valores muy opuestos? Si le parece, podemos ir respondiendo preguntas con la brevedad que pueda y para ir cambiando, porque si no se van a mezclar mucho. D'accord. Oui, merci de cette question qui est vraiment d'actualité. Il y a, je crois, des valeurs qui ne sont pas compatibles avec les valeurs, je dirais pas occidentales, je dirais les valeurs humanistes. C'est pas la même chose. Si on dit des valeurs occidentales, bon, alors on dit que ce sont des valeurs relativistes. Après tout,
Bon, on peut dire la tolérance, l'égalité de la femme. Bon, mais ça, c'est les Occidentaux, mais on peut avoir une autre opinion. Ah, mais là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Le propre des valeurs occidentales, c'est qu'elles ont une prétention à l'universalité. Autrement dit, il ne s'agit pas de défendre une culture, il s'agit de dire ce sont des valeurs qui doivent s'appliquer à tout le monde. La liberté de chacun, quelle que soit son origine sociale ou sa culture. Alors, quand après, nous avons des problèmes de conflit, il y en a. Par exemple, la polygamie. Il y a quelques travailleurs immigrés qui viennent, ils ont plusieurs femmes. Est-ce qu'on doit l'accepter? Est-ce qu'on doit accepter l'excision des petites Africaines en disant, c'est leur culture. C'est leur culture, nous on en a une, eux ils ont une culture. Alors on est tolérant, il faut accepter au fond toutes les opinions. Je vous mets en garde contre cette vision. C'est une vision malsaine des choses. Il suffit de poursuivre les exemples. Ah on va dire la torture, l'esclavage. Alors allons-y, l'esclavage. Pourquoi on ne tolérerait pas l'esclavage si c'est dans une pratique? Après tout, l'esclavage a été une pratique millénaire. Est-ce qu'on va continuer à accepter l'esclavage? Je pense donc qu'il y a des valeurs qui ne sont pas acceptables dans une société humaniste démocratique et que nous devons les combattre. Ce n'est pas du fanatisme du tout. On peut accepter tout un ensemble de différences à condition que les valeurs fondamentales de respect de la personne, quelle qu'elle soit, ne soit pas violée. Cela parce que c'est une vision de l'universel et qui est, je crois, la grandeur de ce qu'a amené l'humanisme dans le domaine moral. Merci. Dos preguntas que se encuentran interrelacionadas y entonces se las formulo en conjunto. Primero es, ¿no cree que el horizonte, en alguna medida el futuro del hiperindividualismo, es una cierta reducción, es su reducción, por motivo de que no es posible mantener el actual ritmo de vida y de crecimiento económico a medio plazo? Primera pregunta. Y relacionada con esa, tendría otra que sería, ¿no cree que la postura global de la humanidad, el sentido de supervivencia, la necesidad común de supervivencia de las futuras generaciones, mitigará o reducirá obligatoriamente la tendencia al individualismo actual? Question passionnante, parce que là, c'est probablement ce qui va caractériser le XXIe siècle. Alors, je suis d'accord sur le constat qui est fait. Le consumérisme et l'individualisme qui est le nôtre ne pourra pas se poursuivre de la même manière. On le sait. Il ne peut pas y avoir 6 milliards ou 8 milliards de consommateurs comme l'est le consommateur américain. La planète, elle ne peut pas supporter pareil choc. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les plus radicaux disent on est embarqué dans une voie sans issue. La voie sans issue, c'est le développement, la croissance, le consumérisme. Et donc, il faut l'arrêter. Et les idéologies radicales disent il faut prôner, défendre l'anti-croissance, l'anti-développement, réduire les besoins pour que l'humanité future puisse exister. Je ne partage pas cette vision. Je la crois irréaliste.
car dans nos sociétés, certains groupes peuvent entendre cela, mais aller faire entendre ce discours aux Chinois, aux Indiens, il y a des milliards d'individus qui vont accéder à la consommation. Et cette idée qu'il faut réduire les besoins, ça n'a strictement aucun sens. Donc, je crois que ce qui va se passer, c'est ce que je disais à la fin. Moi, je ne suis pas pessimiste comme ces penseurs. Je crois qu'on peut inventer de nouvelles technologies, des technologies propres. Je pense aussi qu'il va falloir responsabiliser les consommateurs avec des produits plus équitables, un engagement plus grand pour avoir des produits qui respectent la nature. Et je crois que nous pouvons, en tout cas c'est vers ça qu'il faut s'orienter, nous allons avoir des économies moins destructrices de l'énergie fossile et donc compatibles avec le développement, avec l'écologie, pardon. Alors, est-ce que ça veut dire que ce que j'ai appelé l'hyperconsommation va reculer? Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je vais vous donner des exemples. Vous savez, on peut consommer à outrance sans forcément consommer beaucoup d'énergie. Regardez un jeune aujourd'hui, quand il écoute de la musique, il prend son iPod et il peut graver 3000, 4000, 5000 morceaux de musique. C'est un hyper consommateur. En même temps, l'iPod, ça ne détruit pas quand même beaucoup, ça ne contribue pas énormément au réchauffement de la planète. Deuxième exemple, phénomène capital, la médicalisation des modes de vie. L'hyperconsommation, ce n'est pas simplement la consommation de films, de tourisme, de voitures, de tout ça. C'est aussi une consommation médicale. On le mesure, c'est très bien mesuré. Les gens vont de plus en plus chez le médecin. Ils pratiquent de plus en plus des examens médicaux. Ils consomment de plus en plus de médicaments, etc. Quand vous allez chez le médecin, vous ne dépensez pas beaucoup d'énergie. Donc, on peut imaginer des formes nouvelles d'hyperconsommation, mais qui ne mettraient pas fin à l'escalade de la consommation. Je crois que la tendance, si nous voyons à l'échelle des siècles, c'est la marchandisation du monde. Il n'y a presque plus rien, presque plus aucune expérience de la vie qui échappe à l'échange marchand. Franchement, quand vous regardez les plaisirs, la plupart des plaisirs que nous avons, il faut acheter. À part quand vous aimez quelqu'un, le sentiment amoureux, des choses comme ça. Bon, là, c'est pas le marché, c'est vrai. Mais ailleurs, boire, sortir, aller au cinéma, écouter de la musique, il faut payer pour tout, il faut acheter pour tout. Je pense que cette dynamique-là, elle ne peut pas reculer. Je n'y crois pas. Donc, je pense que dans ces conditions, c'est notre défi de l'avenir, c'est de trouver un mode de développement qui soit moins prédateur, moins destructeur de l'environnement, et ne pas prôner des idéologies d'une certaine manière sacrificielles, qui consisteraient à dire aux individus, vous devez renoncer à ceci, renoncer à cela. On peut le faire, on peut taxer les 4x4, on peut taxer des tas de produits, ça ne me choque pas. Mais ce n'est pas ça fondamentalement qui fera changer, je crois, la dynamique de l'hyperconsommation. Dos preguntas que tienen de común el hacer referencia. Perdón, sí. Sí, dos preguntas que tienen de común el hacer referencia
a la paradoja, a la ambigüedad. Por una parte, ¿en qué medida la necesidad positiva de expresarse, de participar, puede verse traicionada por el afán de convertir la comunicación en espectáculo? Segunda pregunta, en la misma línea de señalamiento de la ambigüedad, ¿es consciente de la dificultad que un ciudadano puede tener a la hora de actuar según lo que entiende como moral auténtica, anteponiendo el servicio al bien común a su propio interés, anteponiéndolo, cuando tiene que hacerlo en un contexto de una cierta claudicación propiciada por la estructura social, por una moral mucho más laxa? ¿Y no cree usted que la moral indolora es un intento o sirve para tranquilizar conciencias y abre la puerta a la manipulación? Sur cette affaire de la participation des citoyens, des consommateurs, bien sûr qu'il peut y avoir de la trahison, il peut y avoir de la manipulation, c'est déjà en place. Je pense aux entreprises qui ont très vite compris que cette escalade dans l'intervention des gens sur Internet qui s'expriment peut être extrêmement dangereux. Et ils ont déjà mis en place des coupe-feux. Ils ont créé des sites. Ils font, des fois, ils interviennent eux-mêmes pour réorienter les discussions. Donc, bien entendu, il peut y avoir une sorte de manipulation. Mais quand même, c'est intéressant à bien des égards, cette question de la communication, de la participation. Après tout, ça contraint les entreprises et les hommes politiques à écouter un peu plus ce qui se fait. Et puis, d'un point de vue humaniste aussi, je suis très sensible au fait que les gens, finalement, veulent faire des choses. On peut donner des lectures, évidemment, très caricaturales. Vous avez pu voir, ça, moi ça m'amuse toujours, mais peut-être vous aussi. Vous allez dans la rue, tout le monde photographie. Vous les voyez tous avec les téléphones portables. Tout le monde photographie, prend des photos, écrit, etc. Évidemment, c'est pour des résultats souvent purement ludiques. Mais ça traduit quoi ? À mon avis, ça traduit quand même une insatisfaction de la consommation. Alors, les résultats, les gens ne vont pas tous devenir Van Gogh ou Rembrandt, bien entendu, c'est ridicule. Mais ça exprime le fait que le consumérisme ne peut pas satisfaire pleinement les aspirations des hommes. Et que les nouvelles technologies vont rendre possible aujourd'hui une créativité nouvelle de beaucoup de gens. Les jeunes, le rapport aux images, aux écrans, ils veulent faire des choses. On peut juger ça, mais quand même, je pense que nous devons l'entendre, ça. Nous ne devons pas immédiatement le mépriser sous prétexte que ça peut être trahi ou manipulé. Je pense que nous entrons au XXIe siècle dans une époque où les gens vont vouloir faire de la musique, vont vouloir faire de la photo, vont vouloir faire des films. Et cette créativité, il faut l'entendre et il faut la favoriser. Donc, je crois que
La société du spectacle était une société de la passivité. C'est parce que pourquoi ? Il y avait un seul média. Il y avait la télévision. Les gens écoutaient la télévision, mais ils ne pouvaient rien faire. Aujourd'hui, vous avez les médias, mais les gens peuvent réagir sur les médias. Alors, ça change évidemment considérablement les choses. Ça pose beaucoup de problèmes. Parce qu'il ne suffit pas de s'exprimer pour que ce soit bien. Et c'est là, évidemment, le grand objectif du XXIe siècle, c'est que plus on aura des moyens de s'exprimer, plus il va falloir donner des nouvelles armes aux citoyens pour penser, agir, créer. Et n'attendons pas tout des médias. C'est la formation initiale qui est première. C'est l'école. Si on croit que tout viendra avec Internet, et ça c'est une absurdité. Nous avons à repenser l'école. Parce que on était dans une école où on apprenait. On apprenait beaucoup de choses. Il fallait former les citoyens. Non, c'était très bien. Et il faut continuer à former. Mais on ne peut plus former de la même manière. Donc, je pense que le XXIe siècle a ce grand défi. Nous devons à réinventer l'école, une école qui ne soit plus une école à l'ancienne, où on apprenait tout par cœur. Maintenant, vous entrez sur un site Internet, vous avez tout de suite les informations. C'est ridicule. Mais nous avons de plus en plus besoin de grands repères pour savoir naviguer dans toute cette infinité d'informations. Et c'est ça le grand défi de l'école pour demain. L'autre question, bien sûr, cette morale indolore, elle n'est pas grandiose. Elle peut fonctionner comme bonne conscience dans nombre d'exemples, c'est vrai, je le crois. Mais bon, moi je suis quelqu'un de réaliste, et je me dis que finalement, bon, pendant des siècles et des millénaires, on a cultiver des grandes morales, des morales sacrificielles, des grands devoirs. Ça a forgé quand même l'Europe, ça a forgé nos civilisations. Mais tout n'était pas rose là-dedans. Finalement, avec une éducation très autoritaire, très stricte comme l'Allemagne, ça ne les a pas empêchés d'avoir les camps de la mort, les exterminations de juifs, la Seconde Guerre mondiale. Dans une culture du devoir extrêmement solide, extrêmement forte. Moi, je n'ai pas la nostalgie de cette époque-là. Je préfère une morale indolore, mais respectueuse de la démocratie, qu'une morale grandiose, sévère, mais qui a ouvert les camps de la mort. Alors, peut-être il faut être moins... faut peut-être être moins masochiste, et de voir ce qu'il peut y avoir de positif, malgré tout, dans cette morale indolore, même si c'est un peu de la bonne conscience. Après tout, quand il y a les bénévoles, ils vont aider les pauvres, ils vont aider, à des activités citoyennes. C'est pas grandiose, c'est peut-être de la bonne conscience. Mais ils font des choses. Ils font des choses, malgré tout. Et croyez-vous qu'avant, les hommes étaient si héroïques que ça ? Est-ce que le cœur des hommes a à ce point changé? Je crois qu'on a des visions, une image d'Épinal, une vision fausse de ce que c'était les êtres avant. On se dit maintenant, mais autrefois, il n'y avait pas d'individualisme. Les gens vivaient dans des communautés, dans les villages, ils s'entraidaient. Et il y avait une communauté chaude, chaleureuse, solidaire. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Toute l'anthropologie nous montre que dans les petites communautés, c'était l'envie qui était prédominant. Les jalousies, les haines, les sorcelleries,
Dès que quelqu'un avait une récolte un peu meilleure que la vôtre, c'était la haine absolue. Donc, ne cultivons pas cette image qu'avant, les hommes étaient généreux et que maintenant, ils sont individualistes, ils pensent à leur bien-être et on est devenu horrible. Mais ce n'est pas vrai. Je pense que les hommes ne sont ni pires ni meilleurs qu'autrefois. Ils sont différents et que, simplement, cette différence, elle s'effectue dans un cadre démocratique meilleur, même si on a de nombreux problèmes, mais que ce sont ces problèmes tels qu'on l'a abordé là tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire avec les cultures différentes des nôtres? Qu'est-ce qu'on va faire pour arrêter ou contrecarrer le terrorisme? Bon, là, je peux comprendre ce genre de questions, mais je crois que les technologies, l'information redonnent le goût des gens de faire des choses pour autrui, mais pas sur le mode à l'ancienne. Après tout, ils veulent que, quand ils font des choses, ils y trouvent un certain bonheur. Alors on peut dire, ah ben c'est pas possible ça, c'est pas bien. Et pourquoi? Et pourquoi ce serait pas bien? Si après tout les gens, ils partent en Afrique, j'en connais, vous en connaissez sans doute des jeunes gens, c'est pas du clou des héros. Mais ils font des choses que, dans ma génération, on faisait pas. Ils partent en Afrique pour alphabétiser des enfants. Et quand on parle avec eux, qu'est-ce qu'ils disent? Mais ça m'intéresse, je suis content de faire des choses. Ils disent pas qu'ils font des choses héroïques, mais ils les font. Et ils font des choses qui finalement expriment d'une certaine manière de l'altruisme. Si, et pour terminer, et de une forme forzadamente breve, preguntas en relation con comment se puede trabajar la educación ética para la ciudadanía en la escuela, cómo se puede trabajar la educación ética para la ciudadanía en la familia, qué estrategias habría que implementar para impulsar la inteligencia social, tecnológica, política, etcétera, y finalmente una pregunta que es un juicio de valor. ¿Considera que la sociedad francesa tiene más conciencia ciudadana que la sociedad española? Tout de suite sur la dernière question, moi je ne le pense pas. Je ne pense pas que les Français ont une conscience citoyenne plus grande, pas du tout, que les Espagnols. Ils l'ont, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, même avec toutes les grèves, qui sont des grèves corporatistes, pas très citoyennes à mon avis, hein, même foncièrement anti-citoyennes d'une certaine manière, puisqu'elles prennent... Elles prennent en défi, elles prennent en otage des millions de gens. Bref, non, je pense que l'Espagne connaît un certain nombre de problèmes relatifs à la citoyenneté parce qu'il y a des traditions, parce que nationales, que l'Espagne n'a pas été unifié de la même manière que la France, culturellement, mais qu'en même temps, l'Espagne cherche une voie qui soit à la fois la voie de la démocratie et le respect des autonomies des cultures. Je pense que vous y arrivez d'une certaine manière. Il y a évidemment l'échec du Pays basque, à cause de, probablement d'une minorité, mais une minorité terrifiante, terroriste. Ça ne veut pas dire que tous les Basques soient d'accord, je crois, avec ça, je ne crois pas. C'est le problème du terrorisme, des minorités qui déstabilisent. Mais après tout, ce que cherche l'Espagne, peut-être, mais je me trompe, hein, bon, probablement. En tout cas, c'est la manière dont je le lis, cette... recherche d'une nouvelle citoyenneté qui serait malgré tout respectueuse des sensibilités, des personnalités nationales, des autonomies nationales.
moi, ne me choque pas. Dès l'instant où ça se fait dans le respect du pacte démocratique, de la paix, et non pas dans le bruit des armes. Si l'Espagne arrive à évoluer dans ce sens, vers quel sens, j'en sais rien, peut-être un peu plus de fédéralisme, ou je ne sais pas, ce qui est déjà d'une certaine manière ce que l'Espagne a réalisé, je trouve que ce serait déjà un beau succès. Maintenant, c'est vrai que quand on voit d'autres exemples, comme la Belgique, est-ce que la Belgique va continuer à être un État-nation? C'est pas sûr. Et là, ce serait évidemment une... quelque chose qui remet en question l'idée que l'on se faisait de la nation, mais en même temps... Est-ce qu'il faut diaboliser ça? Moi, regardez ce qui s'est passé dans l'ancienne Tchécoslovaquie. L'ancienne Tchécoslovaquie se sont scindées, la Tchéquie et les Slovaques. Bon. Mais après tout, il n'y a pas eu de mort. Ils se sont séparés comme un divorce, après tout, des divorces. Alors, ça signifie un recul de l'universalisme à l'ancienne, c'est vrai. Mais est-ce qu'il faut le condamner de manière rédhibitoire? Moi, je serais plus prudent, parce que ça se fait dans un cadre, malgré tout, d'entente partagée. Alors, l'histoire jugera ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas non plus forcer les gens à vivre ensemble. Sinon, on aura d'autres tensions. Alors, c'est cette voie-là, évidemment, qu'il faut rechercher. Et si on y arrive, ce serait pas mal. Alors, maintenant, sur l'éducation. Je crois que nous avons à inventer une nouvelle scolarité, une nouvelle école, comme je le disais un instant. Je crois que nous avons à informer davantage les jeunes de ce qui se passe dans le monde, et non pas en leur faisant du catéchisme. Je crois que quand on sait présenter les choses, ça éveille la conscience, même par le spectacle. Je pense par exemple au film de Al Gore, Une vérité qui dérange. Bon, c'est vraiment un film hollywoodien. En même temps, c'est un film qui a fait évoluer et les gens vont le voir. Il ne faut pas diaboliser forcément le spectacle. Je crois que nous avons à réformer les programmes de l'école en ce qui concerne l'éducation à la santé, l'éducation au respect de l'environnement. Tout ça est en marche. Nous devons savoir utiliser toutes les sources d'information, mais surtout, à mon avis, le grand défi, c'est pas tellement l'éducation des jeunes, c'est la formation des maîtres, car c'est eux qui vont faire le travail. Et là, je pense que nos gouvernants devrait s'interroger sur qu'est-ce que c'est que former un maître aujourd'hui. Qu'est-ce que les maîtres doivent inculquer? Vous savez, ça ne suffit pas de changer de programme. Il faut des maîtres formés pour ça. Et je crois que dans les entreprises aujourd'hui, il y a beaucoup de formations permanentes. Malheureusement, l'école a moins d'argent. Et il n'y a pas beaucoup de formation permanente des maîtres. Je crois qu'il faudrait, à l'avenir, qu'il y ait davantage de budget affecté à la formation des maîtres, qui vont avoir des sociétés qui changent de plus en plus vite.
avec des techniques qui changent, avec Internet qui rend possible beaucoup de choses. Je ne suis pas un fétichiste de technologie, pas du tout, au contraire. Je crois que plus il y aura de la technologie, plus les maîtres seront importants, mais pas à l'ancienne, pas de la manière dont moi j'ai été formé, par exemple. Alors, moi j'appelle de mes voeux des centres de formation des maîtres, avec et ils devraient avoir la possibilité d'être en contact avec les meilleurs spécialistes du monde. Et Internet aujourd'hui le permet, permet des conférences, permet d'être immédiatement informé des savoirs, des nouvelles visions, des nouvelles expériences qui se font dans le monde. C'est ça une banque. Il faudrait trouver des banques en quelque sorte pédagogiques et les mettre à disposition, permettre aux professeurs de se rencontrer, de discuter entre eux. C'est ça qui est essentiel. Sinon, on peut faire des programmes, on peut changer les programmes. Mais on aura toujours besoin de changer. Il ne faut pas croire que parce qu'on a un beau programme, tout va être mieux. Il faut investir dans la formation. Dans la formation des maîtres. Pour cela, nous avons de nouveaux outils, les outils électroniques. Nous avons aussi à permettre aux maîtres qu'ils se rencontrent pour qu'ils échangent entre eux leurs expériences. Muy bien, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Agradecemos al profesor Lipovetsky que efectivamente, tal como esperábamos, ha dado oportunidades de sobra para reflexionar sobre lo complejo. Muchísimas gracias. Merci, merci beaucoup. Magnifique, très bien.